Les colères de Daniel Balavoine sont certaines aussi célèbres que ses chansons. Oui, mais ce n'était pas des choses calculées du tout. Je crois qu'il y a des moments où vous ne pouvez pas s'empêcher. Ça partait. C'était quelqu'un de très timide. Il ne parlait pas beaucoup. Il était très intimidé par les gens qu'il rencontrait pour la première fois. Il avait l'air de bougon un petit peu. Oui, un peu sauvage, ouais. Quoi, un peu ours. Et puis tout d'un coup, ça partait. Et là, on ne pouvait absolument plus rien faire. Il se rendait plus compte de toute manière. Il ne savait plus qui il était. Et là, ça partait. C'était. Et puis après, bon, dès qu'il y avait un article sur lui qui ne lui plaisait pas, il réglait les comptes. Immédiatement, dès qu'il y avait un micro, une caméra. On sent qu'il est là à attendre et à ne pas pouvoir parler, ça monte peu à peu, il y a un moment où il faut que ça sorte. Tout savoir sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com. Le chanteur Daniel Balavoine et Thierry Sabine ont trouvé la mort sur le rallye Paris-Dakar. Peter Gabriel et moi, on emmerde le contrôle d'identité. Tout savoir sur Daniel Balavoine. Balamed, mort de cette façon-là, ça a été la preuve que tout ce qu'il disait, c'était quelque chose de...